L'association internationale 11 Est pour tous, basée en France, étale son élan de solidarité dans la partie sud du Sénégal. En effet, elle a gracieusement offert des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre et de lait en poudre à 25 familles démunies dans la capitale départementale de Goudompe. Le don a fait un sac de 25 kg, 1 litre d'huile, 2 kg de sucre et du lait 500 g. Pour le moment, on est à 25 bénéficiaires, mais nous continuons doubler voire quadrupler d'ici la fin du mois de Ramadan. Si vous avez vu, on a pris 3 bénéficiaires par quartier. Il y a 7 quartiers à Goudompe, donc au niveau de chaque quartier, on a pris 3 personnes et on a choisi les familles qu'on considère comme être les plus démunies au niveau de chaque quartier. Et c'est ce don-là est un don d'une association, un geste pour tous. C'est une association internationale. Par ce geste, les bienfaiteurs entendent donner un coup de main aux plus démunis pour qu'ils puissent passer le Ramadan dans la tranquillité. Le but, c'est permettre aux populations de bien accomplir le jeûne. Durant cette période de Ramadan, on sait que souvent les gens effectuent beaucoup de dépenses et il est bon de venir en aide aux populations. C'est un geste qui se faisait un peu partout dans le monde, mais au Sénégal, c'est une première. Goudompe a eu l'honneur d'abriter le premier don de l'association internationale Un geste pour tous. Et j'avoue que le choix aussi n'est pas un hasard, parce que comme je l'ai évoqué tantôt, l'un des membres fondateurs de cette association est un digne fils de Goudompe, qui est Dourou Bosco Sadio. Très touchés par cet élan de solidarité, les bénéficiaires n'ont pas trouvé mieux que de formuler des prières à l'endroit de l'association bienfaitrice. Alma ñu jëma jëmal ma sé la noto alma ni su trolé ñu té ila barko.